à Bob, l'éponge. Ah, Patrick! C'est Patrick l'étoile de mer! On a trouvé ça! On a trouvé son spot caché! Avec tous ses amis! Wow, il y en a tellement! C'est un moment historique, mesdames et messieurs, parce que après avoir traversé le continent au complet à bord de Bob the Bus, l'eau est tellement froide qu'on n'a pas eu l'occasion de se baigner une fois, mais c'est le temps, le moment est venu, je me baigne dans l'eau. C'était en partie souffrance, en partie très agréable. En plus, sur cette plage, à nous seuls. Dur. Oui! Barbara embarque pour sa première ride de bateau pour la Lavender Ferry! Pour traverser les États-Unis à Vancouver Island! Ah! Oui! Écoute la roulotte à notre droite. Hello! Pour moi, c'est le rêve ultime. Après ne pas avoir pris de douche pendant comme 3-4 jours, d'arriver, tu bordes une petite rivière comme ça, tellement peu. Je me sens comme une petite sirène canadienne des eaux douces. Énormément de bien. Do you feel like a merman? Merman. Canadian merman. Canadian merman. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Italian night, pasta e vino. Est-ce que les Italiens seraient outrés de voir qu'on met du parmesan Kraft au pasta? Oh, probablement. On fait avec les moins bords. Ce soir, nos voisins de campement, a.k.a. la van juste derrière nous, c'est un couple allemand avec qui on a bien jasé, qui ont fait le tour du Canada complet, des États-Unis complet, qui ont traversé même jusqu'au Mexique. Ça, moi, ça me donne quand même envie d'aller au Mexique. On en parlait un peu déjà. Quand t'as une idée dans la tête, c'est très bien compliqué. Éventuellement, là. Mais eux, ils disent que côté genre Baja California, donc côté Pacifique, beaucoup de Québécois, beaucoup de gens en van, super facile à se camper, aucun problème. Ça fait quand même 2-3 personnes qu'on rencontre dans ce road trip qui nous disent ça. Fait que cette graine d'idée-là que j'aime dans mon esprit. Tentative numéro 2. On a ici un potentiel participant de Survivor qui teste ses skills. On a remarqué qu'il y a des trucs et des saumons dans la rivière. On n'a pas de canne à pêche. Fait que là, Achille a entrepris le projet de construire sa propre canne à pêche. Il a trouvé du fil de pêche, a utilisé un trombone, a pris une genre de coquerelle vivante qu'il a mis au bout du trombone. Et maintenant, voici nous en sommes rendus. Ça marche, mon amour, t'es mon idole.
boy. C'était quoi avant? C'est quand même une scène, de... un lieu de film d'horreur, on dirait. Oh, shit. Quoi? Oh my god! Ça m'a fait paniquer. C'est juste la silhouette noire dans cette bâtisse abandonnée. Je sais pas c'était quoi? Peut-être une école? C'est vraiment pas une école, mon amour. Je sais pas. Je comprends que tu viennes s'insulter, c'est les écoles en général, ça ressemble pas à ça. Arrête de hate sur ma compagne. Espèce de citadin. Fun fact, cet avion a crash en 1945. C'est un avion militaire, mais grâce aux compétences du pilote, ils ont réussi à tous survivre, donc aucun mort. Tu viens de mettre le pilote dedans. 1, 2, 3, 3. À toi. 1, 2, 3, 4. Oh non, non, non. Allez. Mais mon amour, c'est toi qui colle les odds, tu perds tout le temps. Allez. Ah, mais quand tu sais que j'allais dire 4? Parce que t'es vraiment facile à lire. Ça, c'est pire. Enlève ton pied. Léo. Good morning, Toshino. Bon, on est peut-être pas exactement à Tofino, on est à peu près à une heure de route, mais la réalité est que tout est extrêmement cher là-bas. Les campgrounds sont à 100$ la nuit. Fait qu'on s'est trouvé ce petit spot sur Overlander, totalement gratuit. Bon, certes, sur le bord de l'autoroute, mais ça, quand on regarde juste cet angle-là, on le sait pas. Honnêtement, je suis fière de voir quand même. J'ai mon petit thé, j'ai la belle vue, j'adore. Au menu, aujourd'hui, monsieur va se faire initier pour la première fois au surf! Ça m'aura tout pris pour le convaincre, hein? Oui. Je me suis dit, ah, on est à Tofino, je pense que c'est la place au Canada où faire du surf. J'ai juste plus de GoPro pour filmer, fait qu'on va voir qu'est-ce que je fais à ce niveau-là. Mime là, c'était une photo photoshopée de Justin Bieber qui mangeait son burrito sideways. On dirait que c'était toi, c'était ta version ce mime là. Officially back on road. On traverse on the wheel jusqu'à Montréal. On est officiellement rendu au jour 2 of the Grand Canadian Crossing. Puis on avance étonnamment quand même assez rapidement. Et oh, oh, ça pue! Moi j'étais ça. Allez, mon amour, c'est moi qui le fais tout le temps. Moi c'est ta job. Aujourd'hui, on a pénétré sur le territoire des Grandes Plaines. Je pense qu'on va être dans des plaines pendant genre les prochaines 35 heures. De voir, d'avoir juste ce petit sneak peek des Rocheuses, ça me donne juste tellement hâte de revenir, prendre le temps d'explorer cet endroit-là. C'est sûr que je me fais un road trip dédié à l'exploration de les Rockies parce que c'est magnifique, puis on a peu le temps dans ce road trip, puis c'est pas le temps de tout faire. Le luxe ultime dans la boss life. Et présentement, dans un dépanneur. C'est vraiment weird, mais j'ai payé pour avoir accès à cette petite pièce qui est une salle de bain privée avec une douche avec de l'eau chaude. Je vais pouvoir prendre ma première douche depuis une semaine. Genre, je me suis baignée dans la mer dimanche, puis là on est mercredi. Genre, je sens que je suis en swing, je suis toute sticky, dégueulasse. Ah, il est temps, il est grand temps. Un peu plus, là, puis j'ai genre une couche de crasse sur moi. Thank you.
get it. C'est le luxe ultime qu'on se paye parce que c'est officiellement le dernier soupir en barque. On a traversé le Canada au complet en 5 jours. Honnêtement, ça s'est passé vraiment vite. J'ai juste travaillé sur mon ordi pas mal tout le long pour être honnête. J'ai conduit genre 4 heures. Fait que merci, maman. Puis c'est vendredi soir, fait que c'est comme vraiment festif. On dirait que c'est bizarre d'être au Québec avec Barb. On dirait que je me sens encore en road trip. Genre, je réalise pas qu'on va dormir dans le lit du condo. Legit, je trouve que le lit dans Barb est plus confortable que le lit à la maison. Il est comme plus moelleux ce matelas-là, on dort mieux ici. Je suis officiellement de retour à Montréal. Les rides ont commencé chez nous, fait que j'habite pas chez moi en ce moment. J'ai à dire, en faisant le montage de cette vidéo, ça m'a rendu tellement nostalgique de ce beau voyage. Un gros merci à vous de toujours être au rendez-vous, de me permettre de revivre mes émotions pendant que je suis dans tout le processus de création de ces mini-films qui englobent mes souvenirs. Puis aussi un gros merci à Kitty qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Kitty, c'est quoi dans le fond? C'est l'application Must pour tous les voyageurs ou toutes les personnes qui passent une partie ou l'année complète à l'extérieur de leur pays natal. Kitty, c'est non seulement une assurance, ça te permet aussi de mettre à jour en temps réel ton assurance. Fait que tu sois un backpacker, que tu sois un nomade, que tu ailles faire une session d'études à l'étranger ou que tu ailles faire un gros road trip dans un autre pays. Télécharge l'application Kitty dès aujourd'hui. Je vais inclure le petit lien dans la barre d'infos afin de pouvoir bénéficier de toutes sortes d'avantages. Il y a différents types d'abonnements. Il y a entre autres un abonnement gratuit. Le premier abonnement payant commence à peu près 6,99€ par mois. Puis dites-vous que dans cet abonnement-là, tu as déjà là accès à un médecin 24/7. Tu peux à tout moment appeler un médecin puis te faire conseiller. Juste ça, on s'entend, ça vaut vraiment la peine. Je vous l'ai pas mentionné dans le vlog, mais j'ai eu extrêmement mal à la bouche à un moment donné dans le road trip. Ça a été super problématique. Heureusement pour moi, ça s'est réglé tout seul, mais si j'avais été dans un autre pays, j'aurais été un petit peu dans la merde, ok? Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas Kitty. Mais maintenant, je l'ai. Tu peux entre autres avoir accès à de l'assurance santé, hospitalisation, assistance juridique, même rapatriement au besoin. Tout ça pour des montants très accessibles mensuels. Fait que si ça t'intéresse, j'ai laissé le petit lien dans ma bio et tu peux utiliser le code Lucie afin d'avoir 15% de rabais sur tes 6 premiers mois d'assurance. Puis là-dessus, eh bien, on va se retrouver dans une prochaine vidéo qui va être très spéciale parce que ça va être le début d'une nouvelle série sur ma chaîne YouTube!